Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Urbex Discovery Channel. Nous sommes des explorateurs à la recherche du passé, jadis retrouvé. Afin de ne rien oublier du passé, suivez nos aventures. Sur Urbex Discovery Channel, bon visionnage. Salut à tous, hein. Discovery Channel. Nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, on est dans un ancien parc qui a fermé ses portes. Il y a tout juste quelques années. On va dire une dizaine d'années. À peu près, non? Voilà, à peu près, je pense une dizaine d'années. On va l'appeler le parc Astérix ou le parc des Gaulois. Voilà, comme vous voulez. Sur ce qu'on va faire, on va continuer le centre de la visite. Tout simplement. Donc ici il y avait une ancienne habitation apparemment. Ouais, et ça devait être un rempart je pense là-haut. Ça devait être un rempart. Tu crois? Que je ferai, je vous mettrai des photos du site avant et après. Voilà. Non. Ouais, là il y avait une habitation, je pense. Ici. C'était celle, tu sais, qu'on avait vu. La grande? Ouais, on peut y aller. C'est possible.
c'est un mur de pierre apparemment. Comment? Ouais, bah oui, que ça passe. Ouais, je pense que ce parc a dû fermer il y a une dizaine d'années. Ouais, ici, je sais pas ce que c'est. On va voir. Ouais. Là, il y a encore les locaux. Ouais, ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, la végétation, elle finit toujours par reprendre ce qui est à elle. Ça devait être une ancienne maison, je sais pas. Un pylône électrique. Un pylône électrique. Ah d'accord. On va par là. Voilà, je sais pas si c'était de la flotte ou. Ah maintenant les accès véhicules, que je suis bête. Ouais. Vérifier quelque chose. Propriété privée. Ouais bon. De toute façon, je sais que c'est une propriété privée. Ça devait être joli. Ouais. On va arriver à l'entrée principale. Ouais. Paris-Rhin-Rhône.
dommage que ça a fermé ses portes. Je sais pas ce qu'on... Non, non, je vois. Non, non. Ah, dommage que ça a fermé ses portes. Chronoscope. J'ai mon pays. On passe après par l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a au sol? On sait rien. Je sais pas ce que c'était. Non, on va refaire le tour. Ah, ici, là-bas. Ah, mais oui, c'est la porte. Ouais, mais par en dessous, il peut descendre. On va pas payer l'entrée cette fois-ci. C'est gratuit pour nous. Par contre, là, je vais faire. Il faudra que je coupe ici. Je coupe ici. Ouais.
Parce que je suis en auto. Je suis en auto. Tu rentres dedans directement avec la lumière. Vas-y, vas-y. Voilà. Excellent. Salle de conférence. C'est ça, avec la représentation de...
tu peux aller au bout là-bas, après. Et là, c'est la salle de conférence, c'est ça? Là, une autre? Ah oui, c'est au-dessus. Ok. C'est fou. Voilà, toutes les poteries. Non, c'est dans la Constitution, ça. C'est quoi ce machin là? Allô Mike, tu m'entends? Ouais Mike. Ça, je sais pas ce que c'est. Non, c'est les portiques, ouais, c'est les portiques. Carrément tout le matos encore, tout laissé à l'abandon comme ça. Voilà. C'est fou. Ouais. Tout ça laissé à l'abandon. Encore du matériel laissé à l'abandon. Du matos, ça regarde éclair là, c'est fou, hein. Regarde-moi ça. Oups là. Le truc de malade. Voilà. Distributeur de cartes postales. Hmm? Distributeur de cartes postales. Ouais. On en arrive sur la scène. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte? Là. On va aller à droite. C'est fou. Hein. On va aller à droite. Et ça, c'est un tour, je pense. Ouais. Mmh.
validation année 2008. Ça fait 11 ans que c'est fait. 11 ans. Je suis pas sûr que ça fait 11 ans. Mais... Je vous mettrai la date. Dommage, on fait une trop. C'est dommage. C'est très dommage. Ouais, c'est fou. Hein. Tous les dessins là-bas, gros, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? C'est pas un dessin là ? Bibracte. Par contre, Bibracte, c'est Paris. C'est la capitale. C'est la capitale de la Gaule, Bibracte. Ceux qui ne le savent pas, que Bibracte, c'était la capitale de la Gaule. Juste à côté, tu sais où je t'ai dit mon Dieu. Tu voulais aller où maintenant ? Où ça ? T'es contente ? Dommage, j'ai pas assez de lumière. C'est vraiment dommage. Vraiment un peu déçu, mais bon, on n'a pas le choix. Mais fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. T'es lumière. Tiens, là, il y a un squelette. Chauve-souris. Tu vas où? Je trouve qu'il y a des voitures qui passent. C'est une roue. Laisse la tête. Voilà, donc là on entre dans une grotte. Thank you.
accrocher le couvre. C'est pas les 35 heures, hein. Ah, là-bas, il y a tous les ossements encore. J'espère que cette suite vidéo vous aura plu. Voilà. Voilà, comme je disais, hein, j'ai quand même fait pas mal de kilomètres pour vous montrer cet urbex encore. Hein. Il ne me semble pas qu'il existe en vidéo. Je crois que c'est la première fois qu'il existe en vidéo. Voilà. De toute façon, on va se diriger vers la sortie. Hein. En tout cas, j'ai pas pris de photo, hein. Vous avez pu le remarquer. Voilà, vous aurez des photos de ma fille qui nous a prises. Voilà.